trouve pour une vidéo sur Rantel pour comment avoir des points FIFA gratuitement. Donc vous allez vous ressourcer sur votre téléphone ou votre tablette sur le Play Store ou sur l'App Store. Vous écrivez Cash for Apps. Vous y allez. Après, vous écrivez Register ou Login. Vous allez sur Register. Bon, je sais pas parler anglais, je sais pas. Vous serez arrivé. Bah, vous serez là, voilà. Vous devrez télécharger des applications. Bon, vous cliquez dessus. Après, normalement, il va avoir une. Ils vont vous demander si vous avez lequel navigateur vous voulez prendre. Après, bah, normalement, ça va charger vite fait. Puis après, ça va vous mettre soit Play Store, soit votre App Store. Vous allez dans celui que vous voulez. Et bah, après, vous le téléchargez. Normalement, vous aurez vos points. Mais des fois, vous ne les avez pas tout de suite, vous les avez après. Après, pour les récompenses, bon, vous allez dans Reward. Et alors là, vous pouvez avoir les trucs iTunes et puis tout. Après, vous pouvez avoir des trucs Google Play, Amazon et puis tout, mais nous, qui nous intéresse. Alors là, avec vos points, vous pouvez avoir 10 $ de. 10 $ sur PlayStation et vous pouvez avoir 15 $ sur Xbox. Bon, vous pouvez avoir des autres trucs, regardez là, il y a PlayStation 20 $, c'est 6 000. Bon, pourquoi ils ont pas fait sur Xbox 20 $? Bref, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je referai peut-être des autres vidéos comme ça. Je vais sortir bientôt. Bah, si ça bug pas, parce que là j'essaie de la sortir, mais ça a bugué. Si ça bug pas, je vous en sortirai encore un autre glitch sur Fringe. Parce que la dernière fois j'en avais fait une et là je vais en refaire une. Aussi, je m'excuse hein, parce que la dernière fois j'avais dit. C'était sur la map le glitch c'était sur la map donc Robin alors que c'est sur la map Fringe voilà bon bah moi je vous dis bye bye.